moninga nanga ya motema akuti sanga. Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir. On va écouter un peu la musique et puis après on va parler des produits intimes. C'est très important d'avoir les produits intimes dans sa maison. Donc bonsoir tout le monde, bonsoir, 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 bonsoir. Donc on va finir d'écouter un peu la musique. Comment Jésus est important dans notre vie. Comment c'est bon d'écouter les cantiques, les louanges et les adorations. Et pour les merveilles que Jésus fait dans notre vie. Et puis, on va parler des produits intimes, ok? Des produits intimes parce que ces produits là nous avons besoin de ça dans la maison. Donc je vais arrêter un peu la musique et puis on va commencer. Bonsoir tout le monde, soyez les bienvenus sur cette vidéo. Je vais vous présenter les produits intimes, je vais vous parler un peu de nos produits intimes, les biens des produits intimes dans votre vie, spécialement nous les femmes, les bienfaits de ces produits intimes là. Nous avons ces produits intimes, nous avons sept différentes sortes, nous avons sept différents parfums de ces produits intimes-là. Et ces produits intimes-là, c'est des produits naturels, c'est des produits bio, c'est tout ce que vous mangez dans votre maison et vous utilisez que nous prenons pour fabriquer ces produits intimes-là. Donc, nous sommes dans le naturel. Nous, en cache-l'eau, nous sommes dans le naturel. Nous sommes dans le naturel, tout ce que nous avons comme produit, que ce soit les produits de corps, que ce soit les produits intimes, que ce soit les maquillages, que ce soit tout ce qui concerne la beauté de la femme et pour le corps et pour notre intimité, c'est des produits naturels et c'est des produits bio. Donc aujourd'hui, cette vidéo-là va parler plus des produits intimes. Nous avons les Yoni Wash. Les Yoni Wash, il y en a ça. Ça, c'est l'original qui est là. L'original. Ça, c'est l'original qui est là. Ça, c'est l'aloe vera qui est là. Ça, c'est de l'aloe vera qui est là.
verras que là, ça c'est à base des pétales de rose. Donc ça c'est à base de la rose, les pétales de rose. Ça aussi qui est là. J'ai déjà présenté 3. Voilà, 4e qui est là. Leved qui est là aussi. Qui est là. Voilà, Yasmine aussi qui est là. Ça c'est Yasmine qui est là aussi. Et puis, voilà notre menthe qui est là. Le fameux menthe qui fait le show actuellement. Et voilà aussi original. Ça, c'est l'original qui est là. Donc, tous ces 7 parfums font le même boulot. Mais j'ai fait sortir 7 parfums. Pourquoi? Parce que chacun ou chacune a ses différences. Chacune d'entre nous aime, il y a d'autres personnes qui aiment menthe parce que ça brûle un peu, ça donne un peu de chaud. Il y a d'autres aussi qui aiment les choses douces, il y a d'autres aussi qui aiment d'autres choses. Donc, c'est pour que chacun ou bien chacune puisse choisir ce qu'elle veut. Donc, il y en a 7 parfums, 7 différents parfums. Mais tout cela, tous ces 7-là font le même travail. C'est Yoni Wash, c'est pourquoi? C'est pour notre intimité. Il y a des fois quand tu sors, ou bien il y a des fois aussi quand tu es là, tu es mouillé, tu as besoin de nettoyer, de laver, tu as besoin de laver pour t'entretenir, tu as besoin de laver pour désinfecter, tu as besoin de laver pour être en précaution. Tu as besoin de laver pour ne pas avoir des démangeaisons. Tu as besoin de laver pour ne pas avoir des maladies, des virus quelque part qui traînent quelque part là-bas, pour ne pas avoir ça. Donc, pour te préserver de tout cela, c'est bien de laver. C'est bien vraiment d'avoir l'habitude de laver et entretenir là-bas. De la manière dont tu entretiens ton corps, tu entretiens ton visage, tes cheveux, c'est comme cela que tu dois entretenir là-bas. C'est pour cela qu'il y a d'autres femmes, elles ont poux en bas là-bas. Elles ont des teignes en bas là-bas. Elles ont des odeurs en bas là-bas. Parce qu'elles n'entretiennent pas. Elles n'entretiennent pas ça. Donc, ça fait qu'elles ont des poux qui rentrent en bas là-bas. Ça fait qu'il y a des teignes qui rentrent là-bas. Ça fait qu'elles ont des démangeaisons et autres. Donc, c'est très important d'entretenir notre intimité. C'est très important d'entretenir en bas là-bas. Parce que ça fait partie de notre santé. Ça fait partie de notre corps. Donc, c'est bien pour laver là-bas. C'est pour cela que nous avons ces Yoni Wash là. Yoni Wash, tu prends Yoni Wash, tu laves là-bas. Si tu veux, tu fais ça chaque 2 jours, chaque 3 jours, ou bien chaque 2 fois dans une semaine, ou bien chaque 2 fois dans 2 semaines. Ça dépend de toi. Comment tu veux disposer de tes choses. Mais c'est très important que tu aies ça dans ta maison. Pour laver. Et ça, c'est à base des produits naturels. Je t'ai montré menthe. Il n'y a personne qui va dire qu'il n'a jamais mangé menthe ici. Je vous ai montré le yasmin. Il n'y a jamais personne qui va dire qu'il ne mange pas du riz. Vous connaissez le riz yasmin. C'est les feuilles du riz yasmin qu'on prend pour faire ça. Et puis maintenant, les pétales de rose. Quand vous partez en une de miel ou bien vous louez choses, comme on appelle ça, l'hôtel pour la lune, pour votre lune de miel, je ne sais quoi, vous mettez ces pétales là pour décorer, pour rendre ça joli. Ça peut vous soigner aussi, ces pétales là. Donc c'est ça, tout ça là qui est ici. Donc vous avez, mes chéris, vous avez besoin de ça dans votre maison. Ne négligez pas, ne négligez pas, parce que vous donnez l'occasion à vos maris, à vos conjoints de se trouver des copines, des caniches et des petites filles au dehors là-bas qui s'entretiennent très bien. Donc vous donnez ces occasions-là parce que ces odeurs-là, ça dérange vraiment. Quand ça dégage, ça dérange vraiment. Donc essayez de voir ça. Donc si vous partez sur notre site web, parce que tout à l'heure, là, quand je vais finir notre vidéo, je vais mettre le site web qui est au-dessus de la vidéo et vous allez voir ça. Si vous partez sur notre site web, vous pouvez avoir tous ces produits-là.
vos produits intimes, vos produits de beauté, vos maquillages, tout et tout, tout ça là, vous pouvez avoir ça là-bas. Donc ne vous inquiétez pas, soyez tranquille et partez sur notre website, vous allez tout avoir. J'avais parlé de notre UniWash. Maintenant, je vais vous parler des huiles de UniWash. Les huiles de UniWash, c'est très bon aussi. Ça, c'est les huiles. Ça, c'est les huiles. Vous avez vu tout à l'heure. Vous avez vu. Ça, c'est les huiles qui sont là. Ça, c'est les huiles. Ça, c'est les huiles. Ça, c'est les huiles aussi. Donc, quand vous avez fini, vous avez besoin de ces huiles-là aussi. Quand vous avez fini d'entretenir, quand vous avez fini de désinfecter tout et tout, tout ça, là, vous avez besoin de ces huiles-là pour, comment on appelle ça, pour mettre ça là-bas pour que ça puisse être assaini, ça puisse être propre et puis ça puisse donner une odeur bien propre. Ça permet de vous assainir et aussi ça permet de vous protéger contre ces maladies, contre ces virus là qui vont venir vous donner des démangeaisons, qui vont faire en sorte que vous allez avoir des démangeaisons et qui vont faire que vous allez avoir des poux, qui vont faire que vous allez avoir des teignes qui vont vous déranger. Donc j'essaie de penser aux maladies. Donc c'est pour cela que je tourne un peu, parce que j'essaie de me rappeler des maladies là. Donc ça va vous garantir de tout cela, ça va vous protéger de tout cela. Même si votre mari est allé ailleurs se balader tout et tout, qu'il amène une maladie qui peut vous attraper facilement, ça va vous aider dans ça, ça va vous protéger de cela, ça va vous protéger de cela, de toutes ces maladies de démangeaison. Vous protéger de tout cela, même s'il allait chercher ses démangeaisons, il allait chercher ses choses pour venir, ça va vous protéger de cela, parce que vous le faites à tout moment, vous assainissez là-bas à tout moment, vous entretenez là-bas tout le temps. Donc ça va vous aider à vous maintenir en bonne santé. Donc ces huiles là, vous avez besoin de ça. Maintenant, ces huiles-là, les bienfaits de ces huiles-là aussi encore, est que il y a d'autres femmes, quand elles sont avec leur copain ou le mari ou bien leur conjoint, il y a deux fois, elles ont été excisées. Elles ont été excisées, donc ce que leur copain ou bien ce que leur conjoint les fait, elles ne savent même pas, elles ne sentent rien. Donc quand ça t'aide en ce plan là, aussi ça t'aide. Ça t'aide à participer dans ce que vous êtes en train de faire. Tout à l'heure, j'avais parlé des huiles, maintenant je vais parler des pelles. Nos pelles sont là aussi. Il y a deux fois, je vais vous parler de ces pelles là. Voilà ces pelles là. Ça, c'est nos pelles qui sont là. Il y en a trois dedans. Il y en a trois dans le paquet. Et trois dans le paquet font le mois. Maintenant, si tu as des problèmes de kyste, de fibrome, de trompe bouchée, tout et tout, tout ça là, tu en as besoin de neuf. Neuf, c'est trois paquets. Donc, les neuf là, pendant trois mois que tu dois faire le traitement de ça. Tu dois faire le traitement de sang pendant 3 mois pour que si tu as kyste, ça puisse tomber. Si tu as fibrome, ça puisse tomber. Si tu as quoi que ce soit là-bas, ou bien les trompes bouchées, ça puisse se déboucher. Ok? Mais entre-temps aussi, quand tu es en train de faire ce traitement-là, tu ne dois pas aller avec ton conjoint. Tu ne dois pas aller avec ton conjoint. Tu ne dois pas faire quelque chose. Tu dois seulement te concentrer sur ces pelles-là. Je vais vous présenter les pelles-là, comment ça y est. Donnez-moi une minute. Je vous présente les pelles. Les pelles là, voilà comment les pelles là, ça y est dans le paquet. Donc j'essaie de voir s'il n'y a pas un des pelles là qui est ouvert quelque part. Ok. Donc voilà les pelles là qui. Voilà les pelles. Voilà ces pelles là qui est là. Je l'ouvre et je l'enlève dans le feu.
Voilà ça. C'est comme cela que ça se présente. C'est comme cela que ça se présente. Encore notre pelle là. Voilà comment la pelle se présente. Voilà ça. Maintenant, la pelle a une corde qui tourne autour ici. Cette corde là, vous devez enlever cette corde là qui est là. Vous voyez cette corde là. On doit défaire cette corde là. Je suis en train de défaire ça. Je fais cette corde là qui est là. Je défais cette corde là. Vous voyez, la corde elle est très longue. Donc je défais ça comme ça. Je défais ça bien. La corde, voilà la corde qui est là. Maintenant, quand tu as défait la pelle là comme cela, tu prends la pelle et puis tu mets ça dans l'eau tiède, pas eau chaude, pas eau froide, eau tiède, pas eau chaude, pas eau froide, eau tiède. Tu mets la pelle dedans pendant, tu mets ça dedans pendant 15 minutes. Tu mets cette pelle là dedans pendant 15 minutes. Et pendant 15 minutes là, tu retires la pelle. Et puis maintenant, tu introduis à l'intérieur de toi. Tu introduis ça à l'intérieur de toi, mais tu fais en sorte que ici là, jusqu'à sa patte, jusqu'à toucher un peu ton utérus. Là, là, de là à là, patte à l'intérieur pour toucher ton utérus. Et maintenant, tu laisses ça là au dehors pour pouvoir retirer ça le troisième jour, parce que tu dois garder la pelle pendant 3 jours. Tu dois garder ça pendant 3 jours. Pendant 3 jours, tu dois avoir ça à l'intérieur. Maintenant, au cas contraire que ça te donne les résultats vite, il n'y a pas de problème, tu peux retirer ça. Mais si ça ne t'a pas donné les résultats vite, tu dois garder ça pendant les 3 jours. Et puis maintenant, quand tu gardes ça pendant les 3 jours, le troisième jour, tu retires ça. Quand tu retires ça pendant le troisième jour, tu retires ça, tu jettes ça. Tu jettes ça, que ce soit ce que tu vas voir, que ce soit ce que tu vas faire. Si tu veux bien, tu m'amènes les preuves, tu m'amènes la photo. Mais si tu ne veux pas, que tu veux rester tu veux rester comme cela, bon, c'est bien pour toi aussi, tu gardes ta, tu ne prends pas de photo. Mais c'est sûr et certain que ça va te donner des bons résultats. Et c'est des produits aussi bio, c'est des produits très bio. C'est des feuilles que on prend pour faire ça. Les feuilles que vous mangez, les choses que vous mangez, les champignons et autres. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il ne mange pas champignons ici, qu'il n'a jamais mis champignons dans sa sauce. Donc, c'est tout est bio. Donc, quand tu utilises ça, ça va te donner. Donc, ça là, c'était par rapport à nos pelles. C'était par rapport à nos pelles. Les pelles, c'était par rapport à nos pelles que je vous ai parlé de ça tout de suite. Donc, si tu as les problèmes de kystes, de fibromes, tout ça là, ce paquet là, tu as besoin de 3 pendant 3 mois. Parce que chaque paquet c'est 1 mois, chaque paquet c'est 1 mois, chaque paquet c'est 1 mois. Donc, c'est pendant 3 mois. Donc, dans les 3 mois, tu dois utiliser 9 pelles. Tu utilises 9 pelles pendant ces 3 mois. Ok, parce que chaque paquet a 3 pelles dedans, donc ça fait 9 pelles pour 3 mois. Donc si tu as les kystes, fibromes, tout et tout ça là, ça va tomber. Ok, ça va tomber. Ok, donc j'ai parlé des pelles. Je vais aussi parler de notre de ça aussi qui est là, qui aide aujourd'hui. Donc je vais vous parler de ça là aussi, le Yonistic. Le Yonistic qui est là, qui fait aujourd'hui du bien aux femmes. Le Yonistic est là. Il y a beaucoup de femmes qui ont accouché et qui ont perdu l'usage de leur truc. Ça ne sert plus, ça relâche. Donc, le Yonistic vient pour serrer ça. Au lieu que vous allez aller acheter des choses au dehors là-bas qui va vous créer des problèmes là. Il y a le Yonistic qui est là. C'est très bon, c'est pas quelque chose à craindre. C'est à base des produits très naturels. Vous n'avez pas à craindre quelque chose. C'est vous utilisez ça, ça va serrer en bas là-bas.
Et puis maintenant, ça va permettre à votre conjoint ou bien à votre mari de être heureux et d'être... Donc, le yonistique que je vous parlais de ça. Donc, ce yonistique-là, quand vous utilisez, au fur du temps que vous utilisez ça tous les jours, ça va serrer en bas là-bas. Ça va serrer jusqu'à ce que vous allez voir vous-même, vous allez sentir que vous devenez petit. Mais vous allez voir qu'en bas là-bas, c'est en train de devenir petit, c'est en train d'être serré. Parce que tu as fait les enfants, parce que tu as eu des problèmes, parce que sur des opérations, tu es tout ça là, les muscles de ton vagin est devenu large. Donc, ça fait en sorte que ça resserre, ça raffaime ça, ça rend ça petit. Ça rend ça petit, ça raffaime ça, et puis ton conjoint il est content, toi aussi tu es contente aussi, et puis aussi ça soigne aussi beaucoup de maladies. Donc ça soigne beaucoup de maladies, vous n'avez pas à craindre, vous même vous allez témoigner de ça, vous même vous allez m'amener des témoignages dessus pour me faire savoir, parce que ça travaille vraiment et c'est très important. Moi, je fais tout ce qui est pour les femmes. Tout ce qui est bien pour les femmes, qui peut les aider dans leur foyer, tout et tout, tout ça là. Je fais ça. Donc, voilà, ça commence à y aller. C'est blanc. C'est blanc, c'est comme kaolet. Regardez. C'est blanc comme cela. Donc, voilà comment ça y est. Voilà comment ça y est. Avant de faire l'utilisation, tu mouilles ça très bien. Faut mouiller ça pour que ça soit bien mouillé, et puis maintenant tu fous ça dans ton truc là-bas tout doucement, pas comme ça, mais tout doucement tu mets ça tout doucement jusqu'à ce que ça rentre, et puis maintenant tu mets ça dans ton truc tout doucement. Quand ça rentre, tu laisses là-bas 1 à 2 minutes et tu retires ça tout doucement aussi, tout doucement, pas brutalement, sinon ça risque de vous blesser. Donc, tout doucement, et vous retirez ça. Et quand vous retirez ça, maintenant, si tu sais que tu dois aller avec ton mari ou bien avec ton conjoint, qu'est-ce que tu fais? Tu remets ça là-bas. Quand tu remets ça là-bas, laisse ça là-bas pendant 20 minutes, 20 à 25 minutes, tu laisses ça là-bas et ça fait le travail. Quand ça fait le travail, tu retires ça tout doucement. Prends tout ton temps pour retirer ça. Retire ça tout doucement. Et quand tu finis, lave ça bien et puis fais sécher ça. Lave ça bien et puis tu fais sécher ça quelque part. Tu laves ça bien, tu fais sécher ça avec ta serviette ou bien avec une pochette. Bien là, tu sèches ça bien. Il faudrait que ça sèche vraiment très bien. Parce que si ça ne sèche pas bien, ça va faire des choses vertes. Ça va faire des choses vertes dessus. Si tu ne veux pas ça, parce que c'est pour ta santé. Donc, tu veux que ça soit toujours propre. Donc, tu laves ça très bien pour enlever tous les petits choses. Comment on appelle ça? Les petits trucs qui vont rester dessus. Et tu vas laver ça pour que ça soit très propre. Et puis maintenant, tu fais sécher ça bien. Et puis maintenant, tu mets ça dans les paquets, dans les sachets. Les sachets que tu as enlevé ça là-dedans. Là. Tu mets ça dans les sachets là. Dans les sachets que tu as enlevé là. Tu regardes ça encore dans les mêmes sachets. Ça ne se gâte pas. Ok? Mais quand tu finis d'utiliser ça, il faut laver ça. Et puis sèche ça très bien. Et puis tu regardes ça encore pour 3 jours encore. Encore ça aussi, c'est très réputé et puis c'est très demandé, et puis beaucoup de femmes utilisent ça et ça fait très ça fait du bien à beaucoup de femmes. Ok, donc c'était ça que je voulais vous présenter. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez acheter la gamme, vous pouvez acheter le Yoni Wash, l'huile, la pelle, et puis maintenant le Yoni Stick. Là, tu as tous les... Tu as 1, 2, 3, 4. Tu as 1, 2, 3, 4. Ces 4-là, c'est 5 dans la gamme. Donc, tu peux acheter la gamme. Quand tu achètes la gamme, là, tu as tout dedans.
tu as tout dedans. Donc, 5 dans la gamme là, il y a aussi les pochettes de nettoyage. Désolée. Aussi les pochettes de nettoyage. Il y a des fois quand tu sors, ça c'est nos pochettes de nettoyage qui est là. Donc, il y a des fois quand tu sors, peut-être que tu n'as pas trouvé quelque chose pour te nettoyer. Tu n'as pas trouvé tissu, c'est papier toilette pour te nettoyer. Donc, tu prends ça pour te nettoyer à base d'alcool et puis d'autres ingrédients. Donc, tu prends ça pour te désinfecter, pour te nettoyer très bien et puis tu jettes ça. Donc, je vous conseille aussi que ça ne manque pas dans vos sacs. C'est très important. Jetez quelques-uns dans vos sacs à chaque moment quand vous sortez. Si dans les toilettes que vous rentrez, vous n'avez pas trouvé de toilette au papier là-bas, donc vous pouvez utiliser ça pour vous nettoyer. Il n'y a pas de problème. C'est très efficace. Ça fait du bien à beaucoup de personnes. Et puis, nous tous, on aime ça parce que moi-même aussi, j'utilise ça aussi. Donc, ça fait du bien. Donc, c'était ça. Donc, nous avons 5 produits dans la gamme. Donc, si vous partez sur notre website, JNM Cashlow, tout ça là, ça est sur le website là-bas. Achetez et puis entretenez-vous et soyez en bonne santé, ok? Nous souhaitons que vous soyez en bonne santé. Et maintenant, il y a d'autres femmes aussi, elles ont beaucoup honte. Elles veulent pas, elles ont dit ces problèmes, mais elles veulent pas dire ça à quelqu'un parce qu'elles se disent que ça fait honte. Il n'y a plus rien qui fait honte. Si tu es en train de mourir, que tu as un problème qui est en train de te tuer, là, quelle est la honte qui est dedans là? Il n'y a plus de honte. Donc là, cherchez vos solutions. Venez sur nos websites là, et puis cherchez nos solutions. Partez sur jnmcashlow.net. Jnmcashlow.net là. Vous allez trouver vos solutions là-bas.